Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'accueillir dans cet espace culturel, au nom de la municipalité, entourée des élus qui sont présents ce soir et aux côtés de notre député Jean-Christophe Lagarde, d'accueillir cette soirée pour l'écologie urbaine. Depuis de nombreuses années, vous le savez, tous et toutes, notre équipe est engagée avec conviction dans une démarche de développement durable et vous en êtes une illustration. Il y a 15 ans, on a organisé notre premier salon du développement durable et depuis 12 ans déjà, et c'est grâce à notre député Jean-Christophe Lagarde, depuis 12 ans, nous sommes labellisés territoire de commerce équitable. Nous avons déployé aussi des composteurs chez les particuliers, mené une action pour la protection de la faune, un partenariat que nous avons établi avec la Ligue de protection des oiseaux et l'opération 2000 nichoirs, les nichoirs qui ont été offerts aux Drancéennes et aux Drancéens. Nous avons déployé des ruchers en milieu urbain, abandonné dès 2008 les produits chimiques dans nos serres et obtenu ces derniers jours deux récompenses importantes pour notre ville, deux récompenses remarquables. D'abord, la troisième fleur des villes et villages fleuris de France et une distinction que nous avons reçue aussi par la Société nationale d'horticulture de France du jardin potager et partagé pour le square Nelson Mandela. La municipalité attache donc une importance particulière, une grande importance à améliorer le cadre de vie au quotidien et tout particulièrement en matière d'espace vert et d'espace fleuri. En deux ans, on a créé trois squares dans différents quartiers de la ville, le quartier de l'économie, celui du village parisien, et en face, le collège Paul Bert. Et c'est tout récemment, au mois d'octobre dernier, que nous avons inauguré un autre square, le square Paul Beaujour et Brahim Fella, qui se situe au cœur de la résidence Paul Vaillant-Couturier, face à la place de l'Hôtel de Ville. C'est aussi en 2022 que nous terminerons les aménagements du square Ribot, cela pour plus de 600 000 euros, et de l'espace Mandela. Tout ceci représente pour la collectivité un investissement de près d'1 900 000 euros. L'année prochaine aussi, encore des perspectives, des projets, puisque nous créons un nouveau square. Ce nouveau square, il sera situé à l'angle de la division Leclerc et rue Massenet. Ensuite, parmi les réalisations de la ville, je tenais à préciser cet élément aussi parce que c'est un élément important, chaque année, c'est 100 000 euros qu'on consacre au renouvellement des arbres. Mais même, ça se sent, c'est pour l'annuel, mais même dans les grands projets, cette préoccupation est constante. Dans nos grands projets, les espaces naturels tiendront aussi une place très importante, que ce soit pour la rénovation urbaine de Gaston Rouleau, pour l'esplanade du nouveau square nautique aussi, ou encore dans le futur quartier du Baillet, où là, nous créerons un jardin de près de 2000 mètres carrés. C'est aussi, si c'est dans nos grands projets, c'est aussi notre quotidien, et au quotidien que nous embellissons grâce aux services de la ville, que nous embellissons la ville. Au cœur, simplement dans le dernier hiver, si on regarde que ces réalisations-là, nous avons créé ou développé de nombreuses bandes plantées ou fleuries, rue Emmanuel Vincent, rue René Deschamps, rue Auguste Blanqui et aussi rue François Carrel. Donc, depuis longtemps déjà, nous sommes engagés dans cette démarche qui est saluée aujourd'hui. Depuis 20 ans, nous accompagnons aussi, il est juste en face de moi, je l'ai au premier rang, depuis 20 ans, on accompagne les jardiniers amateurs et les particuliers drancéens en apportant notre soutien à l'association Drancy Ville Fleurie, dont je salue le président Jean-Pierre Richard, ou encore à la biennale de l'association Orchidée en Seine-Saint-Denis. Avec le développement des jardins partagés au cœur des cités et grâce à notre partenariat avec l'association Terre Urbaine, dont je salue monsieur Bonatti, le responsable, c'est un nouveau public qui renoue quelque part avec une tradition qui est ancienne dans notre département. Cette tradition, c'est la tradition des jardins ouvriers et des maraîchages. Nouveau public,
Nouveaux usages, nouveaux moyens donc, avec ce soir, vous allez y assister dans quelques instants seulement, un film documentaire qui sera suivi d'un débat avec l'une des vedettes des réseaux sociaux dans le domaine du jardinage, Patrick, alias The Frenchy Gardener, un Français installé à Berlin qui est devenu jardinier urbain. Mais nous renouerons pour finir aussi avec une tradition à laquelle nous tenons à Drancy, c'est celle des concours, des lauréats et des récompenses. Alors, vous êtes nombreux présents ce soir. Qui de Shafia, Suzette, Célia et Isabelle, Amida, Mokhtar ou le trio qui est formé par Khadija et ses deux filles, Jenna et Kaina, sera le meilleur jardinier de l'espace Nelson Mandela dans quelques instants, plutôt dans quelques minutes, vous le saurez. Bien sûr, vous le méritez tous, comme les dizaines de jardiniers qui sont présents dans notre ville, qui cultivent, qui récoltent et qui partagent ce lieu de vie, de nature et de respiration. Je voulais simplement ce soir en profiter pour faire un petit tour d'horizon et vous remercier bien sûr tous et toutes de votre engagement, de votre envie, de votre énergie, de la passion que vous mettez à faire vos jardins, cette passion et aussi ce besoin que vous avez de transmettre aussi, je parlais tout à l'heure des deux jeunes filles qui vous accompagnent, et transmettre aux enfants. Donc merci à tous et à toutes pour votre engagement et votre passion et je vous souhaite une très bonne soirée avant la remise des récompenses. Eh bien, bonsoir à tous. Je voulais remercier Madame le maire pour ses mots d'introduction et plus généralement pour la confiance qu'elle accorde à l'association. C'est vrai que lorsqu'on a commencé en 2019, on n'avait pas énormément de références et c'était un vrai pari qu'elle a fait. Et aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que avec le retour d'expérience qu'on a, les projets qu'on a portés, c'est beaucoup plus facile pour nous de gagner de nouveaux projets, mais il y a plus de deux ans, Madame le maire nous a fait confiance et elle nous a permis justement de développer de nombreux projets avec l'association Terres Urbaines. Donc voilà, je ne l'ai jamais fait publiquement, mais je voulais le faire ce soir, c'était important pour moi. Donc on va parler d'écologie urbaine ce soir et on va parler également de permaculture. Et c'est vrai que la permaculture, c'est un terme qui est assez fascinant parce que ça émerveille beaucoup de gens, ça crée parfois des vocations, mais c'est très difficile à définir. Lorsque je parle avec certains d'entre vous, eh bien, vous me dites j'ai envie de faire de la permaculture, je suis fasciné par ça, etc. Mais on va essayer de définir ça plus précisément et on va le faire avec un spécialiste. Un spécialiste de la permaculture urbaine, c'est Patrick, The Frenchy Gardener. Alors, le déroulé de la soirée, en trois temps, on va, pour fixer un petit peu les idées, regarder un petit film au sujet de la permaculture. Puis après, je compte sur vous pour participer, poser nos questions, poser vos questions à notre invité. Et puis après, évidemment, le clou du spectacle. La remise des prix du meilleur jardinier. La réponse est derrière ce bandeau. On verra ça ensemble un petit peu plus tard. En tout cas, merci d'être venu. Merci de votre intérêt pour ces problématiques-là, pour ces thématiques plutôt, qu'est l'écologie urbaine à Drancy. Il y a de nombreux projets en perspective. Vous l'avez rappelé, lundi dernier, on était avec les CE1 des écoles drancéennes pour fabriquer des nichoirs, pour parler de biodiversité. Il y a une vraie dynamique sur le territoire et on est très content d'en faire partie. Il y a également Jean-Pierre Richard qui est parmi nous, qui nous fait l'amitié d'être là et qui a généreusement doté les récompenses des jardiniers. Donc voilà, bon visionnage, on va lancer la vidéo. Une
fois que tu as pris conscience que le système alimentaire aujourd'hui il est toxique, une fois que tu as pris conscience que ce système alimentaire il est archi vulnérable, eh ben, essaye de pondre un système qui soit complètement l'inverse. Théoriquement, un jardin en permaculture, tu as réfléchi à un design, à un plan de conception de ton espace qui vise à réfléchir intelligemment à comment tu vas positionner tous les éléments au sein de son jardin de telle sorte que tous ces éléments réagissent avec des connexions positives et favorables les uns par rapport aux autres. Tu vois. Je vois par exemple tu vois, des gens qui viennent au jardin et qui me disent faire de la permaculture parce qu'ils font... des buts, ils paillent leur sol, ils font du compost, très bien, c'est du jardinage durable. Mais si par ailleurs, cette personne-là n'a pas un minimum réfléchi dans son quotidien à sa manière de se nourrir, se déplacer, se loger, se chauffer, etc., etc., ça n'est pas la permaculture, quoi. La permaculture doit intégrer aussi tous ces aspects-là de la vie. Et à la base, ce choix de maison de ville, c'était pas le jardin rêvé, hein. Il y avait zéro biodiversité dans ce jardin. Et donc, jamais à l'époque, je n'imaginais que ce jardin pourrait nous nourrir en légumes, bientôt en fruits. C'est cette contrainte d'espace qui, d'année en année, m'a fait creuser la tête sur les manières d'optimiser les rendements sur de petites surfaces. Même en commençant tout petit, et c'est d'ailleurs un des principes de permaculture que de démarrer petit, on peut assez rapidement, en quelques années, avoir de bons résultats encourageants. On est à plus de 400 kg de légumes sur cette surface potagère qui n'a pas évolué finalement depuis 7 ans. 150 mètres carrés, c'est la taille totale du jardin. La surface réellement productive, elle est beaucoup plus petite. J'ai 35 mètres carrés de potager et une quinzaine de mètres carrés de fruits et petits fruits. Je fais aussi de la musique, du sport. Enfin, juste pour dire que finalement, un jardin comme celui-ci, qui aujourd'hui nous nourrit à deux, ma compagne et moi, on peut complètement l'envisager en ayant une vie active. En théorie, la première chose à faire dans son jardin, avant même de se lancer, c'est d'observer. Ces microclimats, les différents éléments du jardin, les vents dominants. Comme seul conseil, j'ai envie de dire, démarrer petit. Mais démarrer. On démarre petit, mais on soigne. Si tu en prends soin, mécaniquement, tu vas avoir des récoltes qui seront de meilleure qualité. Il y a plein de personnes qui ont une heure par semaine à consacrer au jardin. Ça ne sert à rien de démarrer sur 30 mètres carrés. Démarrer sur un carré potager, mais faites-le bien. Achetez 2-3 bouquins de base, parce qu'on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir une littérature autour de ces thématiques-là qui est fournie. Et puis, il faut y aller, quoi. Il faut semer. En créant de la production dans nos jardins, on améliore la résilience alimentaire du foyer. Et ça a quelque chose de très rassurant quand même, tu vois, dans un contexte potentiellement compliqué demain, de se dire que on sort de chez nous, on a une certaine forme d'autonomie, pas complète évidemment, mais on a une certaine forme d'autonomie. Ces derniers mois, on a essayé de créer une dynamique à l'échelle de la rue pour gagner justement en résilience. On a proposé, pour commencer, simplement des apéros avec le voisinage, juste pour apprendre à se connaître. On a créé une boîte à échange qu'on a posée sur la rue, dans laquelle je peux mettre mes légumes en surplus, mais ça peut être aussi des bouquins, des vêtements, enfin voilà, ça participe aussi à la création de liens sociaux dans la rue. Je travaille avec les voisins à la question de l'autopartage aussi. On va devoir relocaliser une partie de notre production alimentaire et les villes peuvent participer à cette relocalisation, mais l'autonomie, à mes yeux, ne se raisonne pas à l'échelle individuelle, mais plus à une échelle plus large qui est celle de la rue ou du quartier. On va peut-être enlever le pupitre parce qu'il semble que ça gêne l'auditoire. Donc, ce petit film, enfin, moi que je trouve assez inspirant, voilà, pour fixer un petit peu les idées, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail, dans le débat avec notre invité, Patrick, The Frenchy Gardener, donc, qui est un Français qui habite Berlin. Et qui anime une communauté de plusieurs milliers d'abonnés, 30 000 je crois dernièrement, et qui est formateur en permaculture urbaine.
apparaître à l'écran incessamment sous peu. Hello. Bonjour. Bonjour Patrick. Écoute, merci de ta présence parmi nous en visio. Je t'introduisais rapidement en disant que voilà, tu étais formateur en permaculture, que tu avais une grosse communauté d'abonnés sur Instagram. Et voilà, je voulais peut-être te laisser te présenter en quelques mots à notre public drancéen. Oui, bien sûr. Vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais. Ok, top. Je voulais vous remercier de m'inviter. Donc un grand merci à la mairie de Drancy, un grand merci à toi Jordan et à l'association Terres Urbaines que j'affectionne vraiment tout particulièrement. J'adore cette initiative et j'ai adoré voir toutes vos vidéos. Un grand bravo à tous. Et pour me présenter rapidement, je m'appelle Patrick, j'ai 38 ans et en fait j'ai commencé le jardinage urbain il y a à peu près 2 ans. Donc je suis vraiment un néo-jardinier et c'est devenu une passion et une vraie vocation que je m'efforce de partager le plus possible. Je suis vraiment ravi d'être là avec vous ce soir et puis de pouvoir répondre à vos questions. Lorsque tu as commencé, toi, quel conseil tu donnerais justement pour se lancer? On sait que toi, tu jardines depuis ton balcon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Comment tu as débuté? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire? Comment on devient une star du jardinage? Comment on passe de je crois que tu fais du marketing dans la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de marketeur, si je puis dire, à animer une communauté de plusieurs milliers d'abonnés sur justement une thématique qui est le jardinage urbain? C'est vraiment venu par hasard. Je me rendais dans une jardinerie fin du printemps et je me suis dit ce serait cool d'avoir quelques fleurs pour l'été, juste pour avoir quelques fleurs en fait sur son balcon. Et puis à l'entrée de cette jardinerie, il y avait tout un tas de graines de laitue, de radis, de tomates, etc. Et j'ai bloqué, j'ai regardé ça et je me suis dit, putain, mais j'ai jamais essayé. J'adore manger une bonne laitue bien fraîche, des bons radis et des bons légumes. Et je me dis, pourquoi pas essayer en fait quoi. Et du coup, je me suis lancé comme ça. J'ai pris ces graines, j'ai pris un peu de sol, j'ai pris des pots sans vraiment savoir par où commencer. Et en fait, quand je suis arrivé chez moi, je me suis trouvé vraiment ignorant en fait quoi, parce que j'étais là genre, comment on va planter ces graines? Comment il faut mettre le sol, comment ça fonctionne. Et puis après, je regardais même les graines, elles sont tellement petites. Je me disais, mais cette graine de laitue, là, ça va vraiment donner une laitue. Et j'étais là, pourquoi on n'a pas appris ça à l'école, en fait? C'est pour moi une notion clé, quoi. C'est de pouvoir faire aussi faire pousser en fait, sa propre nourriture et puis de se rapprocher de la nature. Et donc, j'ai commencé comme ça, et puis j'ai eu beaucoup d'échecs, et l'échec fait partie de l'apprentissage, et c'est hyper important en fait, d'avoir des échecs. Et le plus important, c'est d'observer en fait, pourquoi ces échecs sont arrivés. Et puis, petit à petit, on regarde des vidéos, on achète 2-3 livres, et puis encore une fois, on observe la nature et on teste en fait. Donc, c'est vraiment une notion de tester ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, d'observer, et puis après, d'adapter. Et souvent, en fait, j'aime bien, même si ça peut paraître bizarre, on va dire, me mettre à la place d'une plante aussi, dans le sens où je me dis, est-ce que si je faisais ça, est-ce que moi, en tant que laitue, j'aimerais qu'on me fasse ça? Et du coup, je pense que c'est assez intéressant. Et bon an, mal an, en fait, c'est devenu une vraie vocation, une vraie passion. Je suis ravi de pouvoir la partager encore plus. Et c'est cool de faire pousser ça. Propre nourriture de manière organique et bio sur un balcon, je trouve que c'est assez inspirant et ça fait du bien dans sa vie de tous les jours. Un petit film sur la permaculture, c'est ma dernière question, après on fera passer peut-être un micro dans le public s'il y a des gens qui ont des questions. On a eu pas mal de questions sur internet notamment. Pour toi, si tu devais définir la permaculture en vulgarisant comme tu le fais sur tes réseaux,
comment tu t'y prendrais? Et est-ce que c'est compatible justement avec des villes comme les nôtres, dans la métropole d'Île-de-France, dans le Grand Paris? Est-ce qu'on peut faire de la permaculture en milieu urbain? Toi, je sais que tu es à Berlin, notamment. Ouais. Et bah, en gros, pour comment résumer la permaculture, il peut y avoir plein, entre guillemets, de définitions possibles. Moi, je pense que ma définition, c'est, en gros, c'est une vision donc, holistique qui est vraiment centrée sur la régénération du sol, des écosystèmes, mais aussi des hommes. Donc, en fait, dans cette définition, il y a plein de mots-clés qui sont hyper importants. Je pense que le premier, c'est holistique. Ce qui prouve que la permaculture, c'est pas basé sur un facteur, c'est basé sur plein de facteurs, c'est basé sur tous les éléments. Et la permaculture, cette vision, est vraiment de prendre en considération tous ces éléments. Ensuite, le concept qui est pour moi, je pense, le plus important dans cette phrase, c'est le côté régénération, en fait. Parce qu'en fait, quand on parle de recyclage, quand on parle d'éco-responsabilité, il faut le faire, c'est bien. Mais au final, le recyclage, ça limite notre impact sur l'environnement, mais ça ne régénère pas notre impact sur l'environnement. Et du coup, la permaculture, elle va au-delà du recyclage parce qu'elle dit que globalement, avant le recyclage, il y a plein d'autres options, en fait. Et les options, on les contrôle par le fait de réutiliser certaines choses avant d'acheter. Et il y a vraiment cette notion de régénération qui est au cœur du système, de régénération donc, du coup, du sol, parce que vous connaissez, vous cultivez vos parcelles et vous voyez à quel point on ne peut pas cultiver sans un sol qui est sain. Et au bout de certains temps, le sol, il s'épuise. Donc en fait, il faut vraiment trouver des moyens naturels et sains pour régénérer en fait ce sol. Ensuite, les écosystèmes. J'ai entendu parler dans la vidéo, évidemment, de résilience. J'ai entendu parler, Madame la maire aussi de perchoir, de plein d'initiatives, d'arbres, etc. Et en fait, cette notion d'écosystème, elle est clé. Et je pense que la permaculture est là pour justement régénérer des écosystèmes, donc accueillir une faune et une flore qui avait peut-être quitté la ville et qui, au final, va revenir s'installer. Et on a besoin de cette variété. Et enfin, quand je parle des hommes et en fait de la régénération des hommes, il y a vraiment aussi un côté social en fait sur la permaculture. C'est pas uniquement du jardinage. Il y a aussi c'est de se dire quand je vais acheter quel produit, quand je vais faire telle chose, est-ce que ça rend heureux un homme, un être humain? Et du coup, je pense que c'est aussi important pour vous de vous poser la question dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous régénère? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Même si vous dépensez beaucoup d'énergie, qu'est-ce que vous allez avoir en dépensant cette énergie en retour? Et du coup, je pense que ce côté régénération est vraiment une philosophie de vie aussi, quoi. Et je suis certain que vous avez plein de moments dans votre vie où vous dépensez plus d'énergie et vous recevez pas forcément de bonnes ondes parce que ça vous demande énormément d'efforts. Et il y a d'autres occasions où justement, oui, vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous recevez tellement qu'en fait, ça vous rend heureux. Et moi, par exemple, le jardinage urbain, c'est exactement ça. Je passe beaucoup de temps, mais ça me rend tellement heureux. Et du coup, je pense que la permaculture a vraiment cette vision holistique, en fait, à la fois des sols, des écosystèmes et de la régénération aussi des hommes. Donc voilà, c'est un peu ma définition. Merci beaucoup pour ces mots. J'avais quelques questions qui venaient d'Internet. Je ne sais pas si dans la salle vous avez des questions, je passerai pour passer un micro pour que vous puissiez interagir avec Patrick directement. Mais toi, étant donné que tu es sur ta terrasse, initialement, la question que beaucoup de gens ont posée, c'est est-ce qu'on peut tout cultiver en pot, en fait? Est-ce qu'on peut cultiver tout type de fruits et légumes dans des pots? Alors, honnêtement, donc la réponse est non d'un côté, c'est qu'on ne peut pas tout cultiver. Mais la réponse est oui, c'est qu'il y a énormément de variétés qu'on peut cultiver. Et en fait, donc moi sur mon balcon, j'ai des tomates, des aubergines, du concombre, du céleri, des laitues, des radis, épinards, je cultive de la mâche, des courgettes, enfin bref. Donc en fait, je pense que la clé en fait, pour réussir sur un balcon, c'est de se dire qu'il faut juste choisir les variétés qui vont s'adapter bien en pot, en fait.
Donc c'est sûr que si on veut faire pousser un potiron et que ce potiron a besoin d'un énorme volume de sol pour pousser, ça ne va pas le faire. Parce qu'en effet, dans un pot de 15 ou 20 litres, même si déjà un pot de 15 ou 20 litres, c'est déjà un gros volume, si ce n'est pas assez, ça ne va pas le faire. Donc du coup, il faut juste bien regarder en fait, les variétés à l'avance. Et il y a beaucoup de sites maintenant, et je vous encourage vraiment à aller voir des sites, notamment sur les graines paysannes. Il y a des associations comme Cocopelli, il y a également la ferme de Sainte-Marthe que j'affectionne particulièrement et qui donne de super bonnes indications en fait, si telle variété peut être cultivée en pot ou pas. Et du coup, on peut faire pousser beaucoup de choses en pot. Il y a également les tables de jardinage qui permettent aussi d'avoir un volume entre guillemets, de sol plus conséquent. On peut faire pousser plein de choses dedans. Et encore une fois, à partir du moment où on est patient, on respecte la nature et on donne aussi justement la place nécessaire à cette variété pour pousser, on y arrive très bien. Donc oui, on peut tout à fait le faire et je pense que c'est une super initiation en fait, de commencer sur son balcon et peut-être après d'aller sur des parcelles plus grandes, un jardin, etc. Donc ouais, on peut faire pousser plein de choses, on s'ennuie pas. Je te remercie pour ta réponse. J'ai une question du public, je vous laisse le micro. Bien sûr. Alors, Chantal Fossé, moi, ma question, c'est concernant toutes les nouvelles constructions, les anciennes aussi qui n'ont pas de balcon, qui n'ont pas de jardin, avez-vous des idées pour faire avancer des projets où il y ait, par exemple, on construit une résidence, que l'on garde une parcelle en fonction de la parcelle qu'il y a pour construire, afin que les propriétaires de ces résidences ou les locataires puissent participer à tout cela et évoluer. Parce que effectivement, à Drancy, les personnes qui habitent les résidences d'OPHLM sont assez anciennes et il y a beaucoup de terrain autour, ce qui est très bien. Aujourd'hui, la mairie peut développer, comme je ne me souviens plus comment elle s'appelle, cette résidence, des jardins pour qui veut bien. Est-ce que vous avez des projets là-dessus ? Déjà, merci pour votre question, Chantal. Je pense qu'en fait, quand on regarde en fait, le jardinage urbain et la permaculture urbaine, en effet, il y a un espace qu'on peut avoir, c'est son balcon. Après, il faut aussi penser à plein d'autres espaces. Il y a par exemple aussi des espaces entre guillemets, dans les escaliers qui sont ouverts, en libre accès. Et à partir du moment où on demande l'accord de tout le voisinage, et puis aussi de la copropriété, etc., je pense que ça vaut le coup, en fait, juste de se réunir et puis d'essayer de donner naissance à certains projets. Comme vous l'avez dit, il y a énormément de terrains qui ne sont pas forcément utilisés à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de donner entre guillemets, une impulsion sur tout ce qui est permaculture urbaine et ce côté régénération, parce qu'il y a plein de terrains à l'heure actuelle qui peuvent justement régénérer du sol, qui peuvent régénérer des écosystèmes. Et je pense qu'il faut arriver en fait à monter des projets. Et je pense que Terre Urbaine en est un super exemple. Et je pense qu'il y a plein d'autres projets qui peuvent être développés dans les villes. Je pense qu'il faut vraiment se réunir en groupe, en groupement, et faire émerger des idées. Et après, essayer évidemment de faire passer ces idées de manière évidemment légale pour avoir toutes les garanties pour le faire. Mais honnêtement, il faut y croire. Je pense qu'il n'y a pas que des balcons. Il faut aussi regarder sur tous les immeubles. Il y a énormément de rooftops, en fait. Et si on regarde, en fait, tous les toits de toutes les habitations d'une ville, les toits sont vides. Donc, du coup, il y a peut-être plein de choses à explorer aussi sur ce côté-là. Genre comment réussir à végétaliser encore la ville et utiliser tous ces espaces qui sont à l'heure actuelle peut-être un peu gâchés. Et je pense que un toit d'une habitation, c'est pas uniquement fait aussi pour faire pousser un potager. Ça peut être aussi aménagé pour récupérer l'eau de pluie. Et honnêtement, quand on regarde la surface d'un bâtiment, juste le toit, si on met les bonnes installations, on peut récupérer énormément d'eau de pluie. Et l'eau de pluie, évidemment, va servir après aux différents potagers. Elle peut aussi servir, par exemple, aux toilettes. Parce qu'au final,
Pierre Rabier, paix à son âme d'ailleurs, qui est décédé la semaine dernière, il disait c'est un manque de respect, entre guillemets, de tirer la chasse en utilisant l'eau. Et l'eau est une ressource qui est tellement naturelle et tellement essentielle que pourquoi on ne réutilise pas parfois l'eau de pluie pour justement tirer la chasse plutôt que d'utiliser de l'eau potable. Donc il y a encore, je pense, beaucoup de progrès à faire et je me mets aussi dedans. Il y a plein de nouvelles choses à faire et à expérimenter. Justement, dans vos projets, je ne sais pas si c'est uniquement vous, hein, ça va être tout un groupe de personnes, c'est de prévoir d'obliger dans les nouvelles constructions qu'il y ait tout ce que vous venez de exposer. Chantal, je suis plus que d'accord. Je suis plus que d'accord et je pense qu'en effet, j'ai eu des contacts avec un architecte à Berlin justement pour commencer à parler de tout ça en fait quoi. Et j'ai vu récemment en fait un immeuble qui est tout nouveau quoi. Et je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas pensé à l'eau de pluie? Pourquoi ils n'ont pas pensé en fait au compost, etc. Je pense qu'il y a un vrai sujet d'urbanisation. Et je pense qu'il faut arriver en effet à, et je vais m'efforcer en tout cas d'essayer de trouver aussi et de montrer des exemples en fait pour montrer que c'est possible. Mais je suis d'accord, il y a énormément de progrès à faire et il faut qu'on le fasse tous ensemble aussi, je pense. Très, très bien, ben, merci. Je vais juste compléter en fait ce que tu disais, Patrick. En fait, je pense que on peut obliger, on peut effectivement mettre des choses dans le règlement ou dans la loi, mais en fait, comme je pense que ce que tu veux dire, c'est que ça dépend aussi beaucoup de vous, de nous, et que s'il y a effectivement un collectif qui porte un projet intelligent et qui sait le défendre et qui sait justement le proposer à nos élus qui sont plus qu'à l'écoute ici sur Drancy, votre projet pourra éclore tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas être uniquement dans l'attitude de se dire il faut qu'on impose, etc. Je pense qu'on a aussi beaucoup à proposer et c'est peut-être aussi ça l'objet de ta réponse. On me fait signe qu'on a une question d'un internaute qui est en fait relative aux particules fines, parce que toi tu jardines sur ton balcon. On sait que parfois, on peut avoir une certaine pollution aérienne. Est-ce que ça a un impact sur la santé, en fait? Quelles sont les conséquences éventuelles de ce dépôt de particules? Est-ce que ça a une quelconque incidence? Est-ce que tu es sensibilisé à ça? Oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, déjà, juste pour revenir en fait, au point, à la question de Chantal et ce que tu viens de dire aussi, Jordan, je vais prendre un exemple, c'est par exemple McDonald's. Évidemment, je n'aime pas McDonald's parce qu'ils ne sont pas très respectueux de l'environnement. Néanmoins, McDonald's récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont fait tout un tas d'efforts avec, ils ont changé leur logo et puis tout d'un coup, c'est plus vert. Et puis McDonald's, ils proposent maintenant des steaks, entre guillemets, qui sont plus végétaux. Et puis, ils proposent aussi de plus distribuer de bouteilles d'eau, etc., etc. On peut dire ce qu'on veut à McDonald's. McDonald's ne l'a pas fait parce qu'ils en avaient envie. Soyons francs, ils l'ont fait parce qu'il y a une pression collective qui les pousse à changer, entre guillemets, leur manière de fonctionner. Et je pense que c'est, comme tu le disais, Jordan, c'est aussi notre responsabilité de faire juste plein de petites choses au quotidien. Et je ne suis pas parfait et on n'est pas parfait, mais avec l'accumulation de ces petites choses, on arrive à pousser, entre guillemets, des grandes entreprises et des grands groupes à nous écouter et à nous entendre. Et ça permet de faire avancer les choses de manière positive. Et donc voilà, je pense que je voulais juste partager cet exemple parce qu'il est à mon sens inspirant. Et pour revenir sur la pollution donc du coup urbaine, je pense qu'en effet, en faisant du jardinage urbain, en étant au bord d'une autoroute, oui forcément, il va y avoir des particules fines, etc. Donc je pense que l'enjeu pour moi de la permaculture urbaine, c'est aussi de trouver justement les bons endroits où il n'y a pas une exposition à la pollution qui est forte. Et s'il y a une exposition à la pollution, c'est aussi de protéger justement les cultures avec des serres, avec une régénération du sol
qui va permettre, entre guillemets, d'annihiler du coup ces effets néfastes de la pollution. Mais plus il y aura de permaculture urbaine, moins il y aura de pollution urbaine aussi. Parce que si tout le monde fait pousser, entre guillemets, ses propres légumes, etc., bah, quand on commence à faire pousser ses légumes, on n'a pas envie de voir de la pollution. Donc du coup, chacun aussi réduit son impact quotidien sur l'environnement. Donc, je pense que c'est un cercle vertueux qu'il faut qu'on mette en place, quoi. Bah écoute, je te remercie pour ta réponse. On va passer au concours, en fait. Tu as été jury de ce concours. Est-ce que tu peux, peut-être pour clôturer, dire un petit mot à nos participants pour justement résumer un petit peu ton ressenti par rapport à ces portraits de Drancéens qu'on va découvrir ensemble. Est-ce que tu as envie de leur dire un petit mot ? Ouais, bah, honnêtement, déjà, je dis bravo. Genre, je vous dis un grand bravo parce que quand Jordan m'a contacté et m'a dit « Ouais, est-ce que ça te dit d'être jury, etc. etc. ?» En fait, tout de suite, je me suis dit « Non, mais trop cool, quoi. Genre, j'adore tellement l'initiative. » Et j'ai regardé vos vidéos et croyez-moi, je les ai regardées plusieurs fois parce que c'est juste génial ce que vous faites, quoi. Genre, regardez ce que vous faites, vous donnez vie vraiment à des plantes, vous donnez vie à des écosystèmes et ça donne envie aussi à d'autres gens de s'y mettre. Et je trouve qu'à travers tous les portraits que j'ai vus, il y avait tout le temps un truc inspirant. Et surtout, vous transmettez en fait du bonheur parce que ça vous apporte du bonheur. Et encore une fois, je reviens à ce côté régénération, c'est que oui, vous passez peut-être beaucoup de temps dans votre parcelle, oui, vous êtes peut-être un peu épuisé, mais au final, vous rentrez chez vous, vous êtes content et vous êtes heureux. Et du coup, je pense que ça se ressent vraiment dans toutes ces vidéos et même niveau technique, j'ai vu plein de trucs super cool avec le paillage, l'utilisation aussi d'espace vertical le plus possible qui permet de faire pousser plein de choses même sur une petite parcelle, le compost, enfin bref, j'ai vu plein de trucs qui étaient hyper inspirants, donc vraiment un grand bravo à vous et franchement c'est un honneur en tout cas d'avoir pris part à ce jury et voilà, mais un grand bravo à vous et parlez-en autour de vous, postez des photos et je pense que si on s'y met tous ensemble, y a vraiment un mouvement et un cercle vertueux qui va arriver à se créer, donc voilà, mais encore une fois genre bravo ouais. J'ai adoré regarder vos vidéos, c'était vraiment top, vraiment. Eh ben, merci à toi Patrick. On était en visio aujourd'hui, mais je sais que tu m'as fait la promesse de venir dès que tu le peux pour rencontrer nos jardiniers. Ça nous fera très plaisir de te voir sur Drancy. Avec plaisir. On te remercie pour ta participation. Je te dis au revoir, je te dis plutôt à bientôt. Et on va passer à l'étape suivante qui est justement les fameux portraits de nos Drancéens, de nos jardiniers Drancéens. Très talentueux pour ouvrir justement ce concours du meilleur jardinier Made in Drancy. Merci beaucoup. Ciao Patrick. Ciao, ciao. Donc, je m'appelle Shafia et je suis assistante maternelle. J'ai appris à jardiner déjà dans mon pays, hein, l'Algérie. J'ai appris à faire ça depuis mon enfance. Je sais, ma grand-mère elle fait le maïs, elle le fait à côté des courgettes. Donc je l'ai fait pareil. Ça, c'est l'haricot qui. C'est un peu spécial. C'est l'haricot de l'Algérie. Voilà. Oui. Elle est plus grande et puis on la laisse sécher comme ça. Voilà, elle est là. Attendez, je vous montre comment il sèche. Il devient comme ça. Après, il devient. Je la laisse jusqu'à quand il devient. Je cherche. Voilà, comme ça. Pour que, si vous voulez, je vous caille une pour voir comment ça fait après. Voilà. Et celle-là, on le met après dans le couscous, on le met on le mange comme ça. Voilà. Donc, le jardinage, ça me rappelle ma famille, mes origines. Et ma fille, c'est pareil, ma fille, elle m'aide beaucoup.
Et tous les jours, ils viennent ici. Il n'y a pas une journée qui passe qu'ils ne viennent pas ici pour m'aider, pour voir l'évolution. Alors, je m'appelle Isabelle, je travaille sur la commune. Le jardinage a commencé quand j'étais ado chez mes parents. En fait, on avait un petit jardin où on faisait quelques petites choses, mais c'est pas moi personnellement qui m'en occupais. Enfin, j'aidais à désherber, à arroser, des petites choses. Et donc là, le jardinage a commencé ici avec cette parcelle il y a quelques mois, puisque ça remonte au mois de mai de cette année. Ce qui nous plaît en fait, c'est de pouvoir voir les choses pousser, parce qu'on a commencé avec beaucoup de graines, donc vraiment le cycle de pousse, pouvoir voir toutes les étapes jusqu'à obtenir des fruits et des légumes. Sur le devant, on a mis des différents types de fleurs pour la pollinisation. Donc on a de la menthe, on a du romarin, on a du thym, on a un tout petit pied de persil qui avait cramé et qui semble vouloir repartir. On a du basilic, parce que je suis d'origine italienne, donc je cuisine beaucoup avec le basilic. J'adore. Donc là, on a les pieds de haricot nain. Ici, on a planté des plants de fraises gariguettes. Donc là, on a les premiers plants de tomates roma. On a des salades, encore. Un pied de blette. On a un pied de framboisier. Là-bas qui commence à donner. Là, nous avons planté des choucales. Deux pieds que vous avez là sont des choux-fleurs. Là, nous avons un pied de concombre qui a donné un petit peu aussi et qui a été touché par le mildiou. Donc, mais il y en a un. Pour l'instant, il tient. Donc. Nous avons planté des œillets d'Inde tout le long. Malheureusement, nous n'avons qu'une touffe qui est sortie là. Là, juste à côté, nous avons les courgettes. Alors lui, il a bien donné par contre, et si vous regardez de plus près, là on a une magnifique fleur avec une courgette qui commence. Ça nous permet de partir de la grisaille et du béton. Bonjour, je m'appelle Mokhtar, j'habite Drancy. Dans la vie, je suis chauffeur taxi. Et là, je suis au jardin partagé. Ça sera ma deuxième saison. J'essaye minimum à peu près une petite heure par jour. On va dire que c'est le minimum. Mais comme c'est une passion, des fois, ça m'absorbe toute l'après-midi. Ben, moi, je prône jardin partagé, rime avec jardin mélangé. Voilà, là, on rentre dans mon petit mélange. Alors, vous voyez, des fois, les associations, la cohabitation est un peu difficile, mais bon, c'est pas grave, parce que au final, la compétitivité pousse l'un des deux à surpasser l'autre, donc la productivité de l'un des deux sera forcément meilleure. Les carottes sont cuites, c'est les dernières, sachant on avait tout le rang là. La carotte, c'est pas mal, hein, franchement. Ça ne demande pas trop d'entretien, à part au départ. Et après, voilà, elle est là, fait sa vie, hein, vous voyez. Je pensais qu'elle ferait plus de feuilles, mais non. Donc voilà, papy tournesol, vous voyez. Voilà, alors sachant que chaque opercule est une fleur dont s'est régalé nos amis les abeilles. Alors je vous laisse imaginer la quantité. Voilà, voilà. Normalement, ça tombe tout seul. Voilà. Et derrière, ben, le fameux fruit, hein, la fameuse graine de tournesol, vous voyez. Hop, 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 hop. Voilà. Je me présente, je suis Madame Amadi, Hamida. Je suis à Awasach dans la Vitiac Jour, je suis maman de deux beaux enfants qui aiment justement le jardinage.
Je jardine depuis l'année passée. On a trouvé de quoi s'occuper, à savoir découvrir en fait ce monde de jardinage, et c'est juste merveilleux. Je viens de la Kabylie en Algérie, donc les montagnes et tout ça. Donc oui, on a touché à la terre, je savais déjà ce que c'est le jardinage. On a grandi dans ce milieu avec les grands-parents, les parents, donc c'est héréditaire. C'est pas une découverte, mais croyez-moi, j'en ai appris encore beaucoup de choses. J'ai tenté le petit citronnier nain, je précise nain, donc il prend pas trop de place. Ça a bien pris. Donc j'en ai mes petites aubergines qui ont bien pris le soleil. Et à côté, j'ai du maïs, bien joli. Le thym, j'en ai deux variétés de thym. Alors celle-là vient de chez moi, de chez mes parents. Vraiment une odeur exceptionnelle. Voilà, qu'on consomme beaucoup dans nos plats traditionnels. En fait, du fait d'être déjà heureuse d'avoir cette parcelle, je commençais déjà à faire mon plan, que j'ai appelé un plan robe kabyle. Je commençais à dessiner comme une sorte de robe. Il faut mettre ceci là, mais à un moment donné, je me suis retrouvée un petit peu... il me manquait de la place. Donc du coup, j'ai opté pour les tuteurs. Et croyez-moi, ça fait gagner beaucoup de place. On l'appelle le milieu anti-stress. Avec des copines, les voisins, vas-y, on se retrouve souvent fin de journée. C'est vraiment un milieu de détente, ça nous ramène vers la nature. Et ce contact, croyez-moi, c'est que les gens qui aiment, hein, ils pourront valider ce contact avec la terre, avec les plantes, avec ces, on ne peut pas exprimer. C'est juste magnifique. Je m'appelle Kadeja. Je suis locataire du quartier Nelson Mandela et j'occupe avec mes filles une parcelle du potager. J'ai commencé à jardiner avec le projet des jardins partagés. Alors j'aimais bien parce que j'ai quelques petites jardinières sur mon balcon. Donc c'était au départ des petits pieds de tomates et puis maintenant c'est l'explosion totale. Hein. On a envie de planter tout ce qui nous passe par la main comme graines. D'ailleurs, on récupère même maintenant nos pépins à la maison, on récupère nos graines des aliments. Et en fait, j'ai découvert cette passion avec le projet de Terres Urbaines. Alors le projet du jardin partagé, je trouve que c'est une super idée, c'est un super projet. Ça nous permet de rencontrer des gens, des voisins, de faire profiter ses enfants sur les connaissances du jardinage. Je m'appelle Gina, je m'appelle Kim. Je m'appelle Kaina, je suis en 6ème A, je suis en 6ème C, j'ai 10 ans. Moi aussi j'ai 10 ans. Qu'est-ce que vous aimez dans la pratique du jardinage? On peut planter ce qu'on veut. Déjà c'est du bio, c'est le meilleur. Parce qu'il y a des autres choses qui sont pas bio et qui sont pas bonnes. si, on cuisine beaucoup. Moi j'aime bien manger les carottes avec la viande et du rôti et de la sauce. C'est bon. On a planté plein de choses. Moi j'ai de la patience, du coup j'ai planté plein de choses. Ça m'a appris plein de choses. Au niveau écologique, que comme quoi il ne faut pas jeter dans n'importe quel bac. Par exemple, on a des bacs de composteurs. Et les bêtes, ils viennent les manger, ça fait du bon compost. Eh bien, moi, je suis retraitée. Et quand il y a eu la proposition d'obtenir une parcelle, j'ai répondu... présente tout de suite, en sachant que je n'ai jamais jardiné de ma vie. Parce que je jardine sur mon balcon, mais c'est un peu limité sur un balcon. Donc c'était la possibilité d'avoir des produits, de manger des produits de ma sueur. Et c'est vrai que quand j'ai mon petit-fils et puis que je lui ramène des fraises du jardin, il est... Il a les yeux qui brillent, quoi. Dans la cuisine asiatique, donc les tiges, on les utilise en bouillon et les feuilles également. C'est de la famille de l'ail. On fait des rouleaux de printemps, par exemple, les feuilles,
on peut les mettre en bout comme ça pour terminer le rouleau de printemps. Dans notre langue, ça s'appelle kachai. Ça s'appelle chisso, on appelle tito. Et on le mange, on l'utilise un peu comme la menthe. On le mange en accompagnement avec les rouleaux de printemps, avec les nems, avec les crêpes. Voilà, c'est un jardin plaisir, un jardin souffrance parce que mon dos il souffre, mais c'est un jardin satisfaction. Il n'est pas parfait. Les mauvaises herbes elles sont un peu à la fête. Une personne qui a dit que mon jardin c'était un jardin zen, un jardin je me débrouille comme je peux, mais voilà, je de toute façon je remercierai jamais assez Jordan parce que c'est une super initiative. Ça c'est, je descends au jardin, je remonte fatiguée, mais je suis heureuse d'avoir pu jardiner. Merci Terres Urbaines. Bon. Eh bien, merci à tous. Bravo à tous. Qui dit concours dit forcément un gagnant ou une gagnante. Je ne sais pas, je vais peut-être appeler Madame Le Maire pour me rejoindre sur l'estrade. Sur la scène, exactement. Bah, le suspense était insoutenable. Hein. Exactement. Effectivement, il y a un gagnant, mais finalement, quand on voit toute cette joie qui est communicative, oui. On se rend compte que l'essentiel, il est déjà atteint. Et je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots. Mais oui, c'est ça. En réalité, pour moi, vous avez tous gagné parce que c'est fabuleux, que ce soit parce qu'on a des souvenirs d'enfance, que ce soit parce qu'on ait vraiment envie d'entrer dans ce cercle vertueux et de produire ce qu'on mange, alors même que quelque part, on n'a jamais connu un jardin à travers nos anciens, nos parents. Mais je trouve que c'est fabuleux. C'est le cercle vertueux dont Patrick parlait tout à l'heure. C'est ça, c'est reproduire, c'est avoir une attitude et une vie saine. Je trouve ça fabuleux quand on partage ça avec ses enfants, quand on apprend ça à ses enfants, quand ils peuvent être fiers, elles peuvent être fiers de ce que leur maman a cuisiné ou ce qu'elles-mêmes elles ont cuisiné. Mais bon, j'ai partagé des petites anecdotes avec les uns et les autres quand on est venu dernièrement dans les jardins partagés. Et puis bien sûr, c'est fabuleux pour nous d'avoir eu d'abord cette volonté de créer ces jardins partagés dans l'espace Nelson Mandela, qui était en fait un espace inutilisé, et surtout d'avoir rencontré sur notre chemin quelqu'un comme Jordan, à qui on a tout de suite proposé de mettre sa passion quelque part à notre service, mais en réalité à votre service. Je le dis toujours, Jordan, je l'ai dit encore quand on a reçu la récompense là au jardin, pour les concours de horticulture, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et en fait, c'est ce qui est fabuleux, c'est ce qu'on arrive à faire ensemble, pour nous de voir votre fierté. Donc on a eu cette idée, cette volonté politique. Derrière, elle s'est traduite avec ce partenariat, avec Jordan qui est toujours à vos côtés au quotidien, qui nous apprend des choses et qui après vous apprend des choses à vous, qui peut grâce à vous aussi vivre sa passion. Donc tout ça c'est fabuleux. Voilà, on a tous gagné en fait quelque part. Voilà, donc bravo à tous et à toutes. Alors juste un petit point pour le concours. On avait un mode de calcul en fait. On avait un vote du jury, donc il y avait Patrick, The Frenchy Gardener, qui a voté. On avait aussi Jerry du magasin Truffaut à la Plaine Stade de France, qui est un spécialiste du maraîchage, qui se sont réunis pour justement faire un classement. En parallèle de ça, on a diffusé tous ces portraits sur nos réseaux sociaux. Et il y a eu énormément d'interactions, plusieurs votes
plusieurs likes, si je puis dire, des partages, etc. Et donc, c'est la moyenne des votes du public et la moyenne des votes du jury qui va déterminer bien le vainqueur. Et je te propose, Alvin, à la technique, que je remercie d'ailleurs pour tout le travail qu'ils ont fait, de nous mettre la révélation. Est-ce que Shafia peut nous rejoindre sur scène? Bravo Shafia. Il y a son nom sur le... Ah, super. Voilà. Ok. Super. Mais voilà, en fait, ça c'était caché par le ruban. Je pouvais pas savoir qui avait gagné. Donc voilà. Merci. Shafia, bravo. Merci. Félicitations. Mais vous le méritiez tous, voilà, parce que comme je disais, et Shafia a été désignée par tous les membres du jury. J'en faisais pas partie, hein. Je suis pas responsable. Moi non plus. Jordan non plus. On n'en faisait pas partie, hein, donc voilà, il y a pas de. Félicitations à elle, félicitations à ses filles aussi, qui l'aident beaucoup sur le jardin. Donc, écoute. La photo. Voilà. Ah, une petite photo. Petite photo. Tout à l'heure, j'ai signé les diplômes. Voilà, tout de suite, là, j'ai signé les diplômes pour tout le monde. Ah oui, la plante de Monsieur Richard. La plante de Monsieur Richard, un potager connecté de Truffaut, des livres de jardinage, des graines. Ah ben, dites-le. Voilà. Donc, comme j'ai dit, tout le monde... Voilà. Et ma petite fille. La relève est assurée. Donc, il y a des prix, effectivement, pour tous les gagnants. Un potager connecté que nous a remis le magasin Truffaut de la Plaine Stade de France. Monsieur Richard, qui nous a fait encore, je le remercie. Voilà, Drancy, je le remercie Fleury, de Drancy-Ville-Fleury, qui offre une fleur également, une plante. Donc, merci, Monsieur Richard, pour votre contribution. Merci beaucoup. La plante offerte par Drancy-Ville-Fleury. Comment c'est que vous avez dit ce Et des graines, Truffaut, la Plaine Stade de France qui a offert ce potager connecté aux trois premiers prix et au coup de cœur du jury. Au coup de cœur du jury, on vous dira qui est le coup de cœur plus tard. bravo Shafia, bravo à toi. Bravo. Est-ce que vous pouvez venir peut-être plus... Alors, voilà, pour la photo de famille. Voilà. Ah. Je vous en prie. Ensuite, le deuxième prix pour Amida. Amida. Félicitations, Amida. Tu peux nous rejoindre, s'il te plaît. Le jury a noté justement, un travail remarquable sur ton potager, très très bien organisé. Ah, Amida, c'est les herbes, les petites galettes. Voilà, ah, les petites galettes. Le mélange de toutes les herbes aromatiques, c'était fabuleux. Bravo, Amida. Félicitations.
Et donc, je crois qu'il y a encore des cadeaux. Comme je dis, il n'y a que des gagnants. Hein, donc, tout le monde gagne. Tout le monde a gagné. Regardez. Hop. Les graines aussi. Et le potager connecté. Voilà. Et la plante. Et la plante. Hop là. Après, on va faire la photo de groupe. Voilà. Troisième prix, Mokhtar. Troisième prix, Mokhtar. Jean, représentant de la jante masculine. Félicitations, Mokhtar. Le jury t'a plébiscité, le jury de spécialistes. Excuse-moi. Voilà, ils ont vraiment apprécié ton côté créatif. Je continue mon travail d'approvisionnement. Ah voilà, le 3. Voilà. Hop là. Voilà. Merci beaucoup. Des cadeaux pour Mokhtar aussi. Merci. Exactement. Et après, c'est vrai que Terres Urbaines, nous, on n'était pas jury, mais on a voulu quand même intervenir pour récompenser une initiative qui nous a particulièrement touchés. C'est le coup de cœur du jury. C'est Kaina, Jenna et Kadeja. Bravo! Félicitations, parce que pour nous, le jardinage et l'environnement, c'est surtout un travail de transmission. Ouais. Et je sais que Madame le maire et Madame Mendes sont très attachées à ça. Et félicitations à vous. Merci à toi qui a déjà pour ce que tu fais avec tes filles. Bravo les filles. Voilà, félicitations à vous. En plus, elle cuisine. En plus, elle cuisine ce qu'elle cultive. Elle aussi, c'est super. Allez-y les filles. Les deux jumelles. Merci. Je les signe juste en arrivant. Hein. Donc j'avais vu vos noms. Bravo, bravo. Approchez-vous. Et regardez, voilà. Pour le prix coup de cœur aussi. Merci. Vous avez les cadeaux aussi. Exactement. Et évidemment, des encouragements pour deux personnes, moi, que j'adore. Isabelle, Célia et Suzette, si vous pouvez venir nous rejoindre. Elles ont pris la parcelle assez tardivement, Isabelle et Célia. Mais elles ont mis beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup de cœur. Et donc, ça se ressent. C'est une belle aussi complicité entre une mère et sa fille. Voilà, donc merci à vous. Et Suzette, je ne devrais pas le dire, mais c'est ma chouchou. Donc, voilà. On a toujours des chouchous. Merci. Félicitations. Merci. Bravo à vous. Et on va se mettre tous là. Tous. Là, par contre, je ne sais pas comment vous allez remonter ça. Oula. Donc, c'est effectivement... Merci encore à Monsieur Richard pour la plante. Des graines biologiques pour tout le monde et ce superbe pot à réserve d'eau. Comme ça, vous pouvez partir et en vacances tranquillement avec, en laissant vos plantes et elles vont... survivre. Hop là. Oula, mais oui. Un et deux. Heureusement que voilà. Je suis avec mon mari. Voilà. Bah écoutez. Donc là, on est un peu. Voilà, si on voulait faire une photo. On est bien chargé là. Avec tout le monde, c'est un peu compliqué. Hop. On se resserre peut-être. Photo. Voilà. Donc on peut arrêter le live maintenant. On remercie à tous les viewers qu'il y a eu éventuellement sur le Facebook. Et puis, tous les participants, merci à tous. Merci au public de s'être déplacé, hein, soir d'hiver, pour nous voir. Et puis voilà, on va prendre une photo maintenant, j'ai trop parlé. Allez. Monsieur Richard, bien.